Salut les enfants. Hello. Salut Akilou. Les enfants, on vous retrouve en mode dimanche soir, ouais. 20h, au bout du bout. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un créneau parce que là, je vais partir en vacances. Akilou, elle voulait ouvrir sa porte. Bien sûr. Surtout qu'elle est arrivée en collision, quoi. Pour une fois dans les times. Exactement. Tout ça. Donc on se retrouve pour la box, la Beautiful Box de juillet et la fameuse Little Box de l'été. Puis il regroupe les box de juillet et août, vous en avez l'habitude. Akilou, tu veux t'exprimer tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah en fait, ils m'ont demandé de choisir et puis ben, j'ai choisi, mais j'avais choisi la colorée. Ah, choisi un motif de trousse. Voilà. Vous savez que quand il y a deux box ensemble, t'as une trousse avec. Ou alors je me suis trompée, je vais re-regarder le modèle. Ouais. Parce que là pour moi c'est coloré Akilou, violet, enfin pas. Je crois que c'était que ça. Que ce logo là, mais je regarderai. Ouais. Ouais, voilà. Mais elle est très jolie. Hein. D'accord. Bon, déjà, parce qu'en fait, du coup, comme c'est une grosse box, c'était à même le carton. Là, pour faire la photo de couverture, on vient d'ouvrir. Akilou, elle est chanchon depuis 2 minutes. Parce que là, vite fait, t'es descendu d'un étage tout de suite. Ouais. Parce que je me suis dit, oh ben merde. Mais parce qu'en fait, je sais pas si c'était juste le pochon qui était de couleur, ou si c'est la box en entière. Moi, je pense, parce que du coup, la non colorée, elle était comment? Tu te souviens? Elle était comme ça. D'accord. C'est pour ça. Est-ce que ça te plaît? Ah, mais grave! Ah non, mais par contre, j'adore avec le petit pochon. C'est une grosse trousse plus une petite que tu rapproches derrière, donc les pinceaux là, tu vois. Bien sûr, Akilou. Franchement, perfect quoi. Sacré besoin de les laver hein, quand j'y pense. Oui, moi aussi, franchement, je fais ça. Puis un tri à faire à Akilou là, c'est pas possible. Trop pinceau, bien sûr. J'ai des trucs qui durent depuis 10 ans que j'utilise jamais pour faire quoi, un petit coin, un petit coin que tu maquilles jamais, donc au final non, on fera ça après à la rentrée. Ah ouais, parce que là après je serai partie, ça ira bien sûr. Alors par quoi on commence? Alors j'ai l'impression que la Beautiful Box c'est hyper lourde. J'ai encore pris mon petit truc pour me pour te faire un petit peu de vent. T'as pas chaud toi? Non, non, ça va là, un petit courant d'air. Bon, on va commencer. Allez, j'attaque la Beautiful Box spéciale soleil qui brille. Je crois que c'était un truc comme ça. Routine estivale de juillet, bon, sans doute bien. Jaune ensoleillé. Ah, tout est jaune. C'est ça. J'aime bien leur sème. Ça sent bon. Ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Alors, je prends ça, je prends les cartasses et c'est à toi. Alors, on commence tout de suite par un fluide visage effet bonne mine. Pourquoi je sais pas, c'est bizarre d'avoir un fluide. Je sais pas ce que effet bonne mine et prolongation. Et non, et prolongateur de bronzage. Voilà. La marque FG Cosmetics, t'as déjà eu des trucs. Du make-up, c'est. Où est-ce qu'on voit la marque? Je vois. Elle est pas là. Ah, c'est là tout en bas. Donc il y a des extraits de carottes, d'huile essentielle d'orange douce et de citron, et de la vitamine E. Et alors, c'est à appliquer le soir pour combler votre visage. Je sais pas si c'est pour le combler de kiff ou c'est pour combler les trous. Ah, masser votre visage de l'intérieur à l'extérieur. On s'en fiche, on veut comprendre le principe du sketch. Ben en fait, je pense que tu vas à la playa, tu bronzes, tu te nettoies, tu mets ta crème. Ouais, et après, à mon avis, si c'est pour faire un effet bonne mine et prolongateur de bronzage, en fait, tu le mets pour que ça garde ton bronzage. Si vous avez eu la chance de profiter du soleil, il prolongera votre hâle d'été sur une peau hydratée. Exactement, Akilou. Donc c'est en plus de la crème. Voilà, et j'ai compris. Et c'est quand même 30 balles, hein, ton truc. Ah ouais. C'est bizarre. Et franchement, je vais faire un test. Bah, là, c'est jusqu'en mois de décembre. Mais... je suis encore bronzée. Arrête. Prolongateur de bronzage pendant 3 ans. On continue. Oh, une gelée nacrée après soleil, Canus. La marque Cadalis à la banane. On adore. C'est à la banane, hein? C'est la marque qui fait tous les produits à la banane, tu te souviens? Ah, mais oui, c'est vrai. Le petit masque. Franchement, t'as pas de mémoire, Akilou. Non, mais là, c'est vraiment le camembert qui dit Rockford pub. L'église qui sous de la charité, non, c'est l'inverse. L'hôpital qui sous de la charité. En fait, là, on mélange toutes les espèces. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que camembert, it's a no. 16 balles ton truc. Ah, quand même, hein. Je l'ai très bien. Mais grave. Là, c'est ce qu'on attendait dans cette box. Donc de plus en plus, je tarte vraiment bien ma peau en été. Ouais, en été. Mais c'est toujours ça. Voilà. On continue. Tout est jaune. Hein. C'est vrai que c'est. Gel intime réconfortant à l'extrait de Calendula Bio. Mademoiselle Cerise & Co. Ça, pour le coup, c'est la matanine. Ouais, on connaît pas du tout. On connaît pas du tout. Pourtant, les packagings, ça ressemble pas mal à plein d'autres trucs. Je sais plus quoi. Mais plein d'autres magas Cadalis un peu, oui, c'est oui. Un peu dans les mêmes dans les concepts. 10 balles, pas très cher. Et donc bon bah gel intime. Est-ce que tu utilises si j'en ai un du temps en temps. Quand t'en as. Quand j'en ai j'utilise, si j'en ai pas, j'utilise pas, mais bon. Un kilo. Tu vois ce produit ou pas?
Bah prends-le. C'est le petit suspense. Putain, j'avais pas vu. Non, magique. C'est trop bien. Un lait capillaire de chez Les Secrets de Lola. J'aurais été sur C'est trop bien. À l'ananas. Canon. Ça s'appelle smoothie ananas. Smoothie ananas. Les sans rinçage, bah évidemment un produit à mettre dans les cheveux sans rinçage. Mais tout le monde kiffe les produits de chez Lola. À kilo, elle en met 72. Mais ouais. En sortant de la douche. Mais ouais, mais j'ai des belles bouclettes. Bah écoute, non, puis en plus, comme là, je vais beaucoup à la pistoche. Oui. Les cheveux. Ouais, bien sûr. Puis avec l'été, il faut en prendre soin. Est-ce que c'est un truc spécial soleil, machin? Répare, protège, adoucit et limite les fourches. Parfait. De toutes les chevelures estivales. Donc il y a du jojoba, du beurre de mangue. Je sais pas ce qui sent bon comme ça là. Là. Ça sent bon, mais en fait, comme c'est tout, c'est un peu citron, on a 16 balles. Et puis les secrets de Lolaï, bien sûr, on vous présente. Ah, mais... Ouais, ça sent un peu les bonbecs, tout ça. Les harlequins. J'ai reconnu le harlequin. Et le petit. Il reste un petit mais c'est trop bien, un petit nude. Ah bon, je crois que c'était un jaune. Non, c'est un jaune, ouais. Et c'est la marque. Ah, la marque, c'est Nude Experience. Et c'est la couleur d'une du pile. Tout le monde. C'est cette chanson. Forcément, ouais, je sais pas. Mais. Putain, mais tout le monde a la rêve. Tu sais que la dune du Pila, c'est dans le clip Plus que tout le monde. Ah, c'est dans le sable. D'accord. Non, j'y étais pas. Effectivement. Ah bah voilà. Je sais pas si moi, j'étais sûre que vous aviez la rêve. Oh, certainement. Par contre, le petit jaune banane est vraiment sympa. Toi, tu mettrais un truc comme ça, monsieur. Ouais. Ah, si, ça, par contre. Ouais. Non, c'est cool. La marque de vernis, on ne connaît pas. Ça coûte 12 balles. Bon, c'est biosourcé, évidemment. C'est compo nickel. Mais je trouve que la couleur. Mais canon. Par contre, faut mettre deux couches. Hein. Oui. Ah mais non, c'est vrai qu'elle met du vernis comme ça, cette femme, elle se pose pas quoi. Ah bon non. Non mais par contre, faut mettre une deuxième couche. Ça m'étonne pas, les teintes très pastel comme ça. Ah non, mais là j'ai à mes pieds, c'était un que j'avais dans une box. Comment ça s'appelle, c'est la marque où tu prends à la machine. Ah oui, je me souviens plus, mais je vois. Et puis ton petit tote bag. Le petit sac pour aller au market. Ah, bien sûr. Non mais j'adore cette box, hein. Elle est géniale. Le thème jaune et tout, c'est vraiment nice. Il devrait faire toutes les couleurs. On ils avaient fait, hein. Sachet, ouais. Ils avaient fait, hein. Ils avaient déjà fait. Ouais. Oh, moi je me souviens plus. Ah, c'est vraiment genre tu mets 3 nectarines et puis oui, c'est pas un très grand soir. Ouais, c'est nice. C'est un petit pour mettre ta serviette de playa. Ah oh, non, tu peux pas mettre une serviette de playa. Quand tu mets 2 citrons. Ah, j'ai fait un souci. Un citron, un ananas. L'ananas il rentre dedans, tu mets tes 2 citrons et puis une petite banane. Ouais, je pense que c'est pour faire ses courses, c'est pas pour aller sur la plage. Mais c'est nice, ça. Bah ouais, grave. Franchement, ça se prend, hein. Bah oui. Très bien, nice. Parfait. Est-ce que tu veux faire la trousse magique? Bah bien sûr. On se retrouvera pour la box, la Beautiful Box du mois d'août. On se retrouvera certainement début septembre parce que Akilo après va partir elle aussi. Voilà, c'est ça, on est en décalé. On est en décalé, donc on prendra le temps. Donc ta trousse, on a dit magique. Voilà. Et bien sûr, c'est la spéciale collab. Make my lemonade. Qui est une marque que t'aimes beaucoup, Akilo. Que j'adore. Une marque donc inclusive de taille 34 à 52. Ouais. C'est vrai que là pour le coup là on est vraiment dans le truc où et puis c'est de taille 34 à 52 et c'est le même prix pour tout le monde. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut dire, hein. C'est pas genre alors j'en profite pour rajouter que j'ai vu une vidéo d'Isno Good, Céline, j'en ai parlé dans les favoris la semaine dernière. En fait cette femme elle décrypte, tu sais c'est celle qui a fait le bouquin de mode éthique dont tout le monde parle. Ah oui, ouais. Cette femme elle décrypte les marques tendances pour dire est-ce que c'est vraiment éthique ou pas, parce que Make My Lemonade à la base c'était aussi éthique. Visiblement, ce serait un petit peu moins éthique qu'au tout début de la marque. C'est-à-dire qu'ils ont, au lieu de fabriquer en France, au Portugal, maintenant ils ont élargi genre un peu Europe de l'Est, tu vois. Ouais, mais ça reste quand même moins pire que, bien sûr, Zara & Co. Ouais. C'est pas si pire. Et surtout, elle disait, pour tout le côté inclusif, comme tu viens de dire, ça c'est vraiment canon. Après, je sais pas si... Parce que là, le dernier truc que tu pouvais acheter chez elle, c'était les Body Martha. Ouais, bien sûr. Le Body Martha, tu le commandais avant, et en fait, c'était sur commande. Ouais. Et il n'y avait pas de surplus de commande. Donc pour moi, ça reste. Ah, il y a plein de trucs qui sont hyper cool. Ouais. Après, elle disait effectivement sur le côté fabrication française ou européenne, bah maintenant c'était un peu plus élargi. Mais tu peux aussi choisir, parce qu'il y a certains produits qui continuent d'être fabriqués en France ou au Portugal, tu peux choisir parce que c'est hyper clair dans les fiches produits. Ouais. Tu vois si vraiment t'es au taquet et que tu veux pas. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux choisir les produits en conséquence. Et le Body Martha, t'as pas craqué tout pour des fringues? Non, parce que les fringues, j'ai failli. Et puis le Body Martha, j'ai failli. Puis quand, tu sais, j'attends toujours la dernière minute. Ah, puis c'est. Et moi, j'ai toujours peur en fait d'acheter un truc. Après, il y a les tailles, c'est écrit, mais un body, c'est quand même bien élastique. J'avais peur par rapport à la taille. Et je me suis dit,
je ne l'ai pas acheté. Si je le trouve sur Vinted, ben j'achèterai sur que Vinted. C'était un signe. Voilà, si je ne l'ai pas, ben c'est que je ne l'ai pas. Mais je pense que là, il y en a quelques-uns sur Vinted déjà qui sont assez. Je ne sais pas si ça se revend genre hyper cher ou... Bah, les gens, c'est quand même tendance. Parce qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ils l'ont reçu, les personnes qui l'ont commandé, elles ont reçu un ou deux mois. Puis surtout, si c'est plus dispo à la vente en ligne, ah, c'est sûr qu'ils peuvent faire les prix qu'ils veulent. Bah, voilà, c'est ça. Mais ça va, c'est pas non plus plus cher. Oui, moi, par contre, hors de question d'acheter un produit plus cher que tu l'as acheté. Ouais. Enfin, non, c'est pas non plus une pièce. Ah, il y en a qui font du bif comme ça. Hein. Ouais, bah, pas moi. Alors, on y va. Cette troussasse. Du coup, j'ai toujours pas de papelard. Il y a rien, bah non. Bah, t'as tes tissus de cul à kilo. Surtout, j'adore ça. Donc, j'ai une petite pince. Écoute, bien jaune. Bien jaune, ça, forcément, pour mes cheveux bon vénitiens. Oh, arrête. Tu vas pas me la sortir là. Bah, il fallait. Cette femme, elle est plus noire que noire. C'est clair, là, j'ai fait un aîné châtain foncé. Donc voilà, hop, petite pince. Ah, oh, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pierre, papier, ciseaux. Oh, c'est un... Trop bien. Si, j'en avais déjà un, mais... Make paper plane. Mais canon. Franchement. Les petites couleurs et tout. C'est un porte-passeport. Ouais. Moi, j'ai pas ça du tout, quoi. Bah, j'en avais eu un, parce que je crois que je l'avais... on m'en a offert. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une belle idée cadeau aussi. Bah ouais, bah, pour quelqu'un qui voyage, quoi. Ou quelqu'un qui a un passeport à 89$. Est-ce que tu veux que je te trouve les trucs spéciaux Make My Limonade? Allez, vas-y. Il reste ça. Hop. Cette femme, elle remballe pour tout mettre bien derrière. Et bah oui, quand même. J'adore leurs trucs. Je set et nail. Kit pour ongles qui ont la win. Trop bien. Ah, bah, c'est des trucs cuticules, machin. Bah ouais. Dans sa petite... Mais c'est trop bien, dans la petite boîte comme ça. Canus. Oh, trop bien. Oh, une petite pince à épilage. Ah, mais gars, je peux en rajouter une deuxième. Ou un pouce cuticule. Là, ils ont pas mis. Ils ont mis coupe ongle, lime et pince à épilage. Dis donc, la trousse, elle est vraiment bien grande. Bien grande parce que t'as les volants sur le côté pour la ragrandir, quoi. En mode, je vais embarquer toute la Smala en vacances, tu sais. Comme ça n'est pas. Bon, après, c'est une collab avec Garancia. Parce qu'apparemment, t'as plusieurs produits. J'ai pas fait gaffe. Si j'ai bien compris, t'as plusieurs produits Garancia. Des petits cotons. Oh! Trop bien, enfin bien. Donc ça c'est Make My Limonade, toujours, bah, c'est dans les mêmes couleurs en fait. D'accord, moi. Parce que c'est marqué Garancia sur leur truc, c'est pour ça. Et Garancia, mais pas sur le reste. Bah non, c'est pour ça que c'est chelou. Je me demande s'ils ont. Ah, bah doit y avoir un produit Garancia. Bah il y en a plein, je te dis. Ah ok, bah donc c'était peut-être une collab, j'ai pas fait gaffe. Ah j'adore. Et mais en plus c'est des gros produits quoi. Ouais. Là, oh là là, c'est trop bien. En deux coups de baguette, la crème des nettoyants visage. Visage et yeux aux actifs anti-tiraillement et anti-âge. Démaquillant sous forme de crème. Canon de chez Canon. Ça, tu connais crème fondante. Ouais, ouais, je l'avais eu en beaucoup plus petit. Toi, ça, on t'aime bien te démaquiller avec les produits comme ça. Là, tu vas kiffer. On poursuit. Ah, ça, je connais, j'adore. L'eau démaquillante micellaire. Ouais. Parfait. Donc, le sens trop bon, voilà. C'est bien. Ouais. À la rose, c'est ça? Ouais, rose d'antan. Et ça, canon. Bah, ça, canon, je l'avais déjà eu une fois dans. Mais ça, c'est canon pour l'été. Ouais, vraiment. Elle est vraiment, en plus, elle est vraiment, on dirait de l'eau. Crème d'eau, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Crème d'eau à la tomate. Ouais. Diabolique tomate, on en avait déjà parlé, mais l'été dernier. Et puis le tube un peu comme ça, j'aime bien à l'ancienne. Bien sûr, le tube Aven. Ça ressemble à mais grave. Top. Donc, la crème, c'est une crème de jour, un peu teintée, et surtout texture gelée eau, quoi. C'est ça. Qui est vraiment hyper agréable. Ça, on kiffe. Rituals, donc c'est la mousse. Ouais, c'est ça. Et c'est Ritual of Sakura. C'est ton préféré ou pas? Non, mon préféré, c'est pas celui-là, c'est Rite of Ayurveda. Ah, bah évidemment. Mais celui-là, c'est. Non, mais c'est plus les senteurs ambrées. Ah, c'est très. Parce que là, c'est fleur de cerisier en fait. Ah, oui, d'accord. Mais c'est sympa. Oui. Et c'est quoi? C'est. C'est une mousse. Ah, non, c'est. Tu sais, c'est la mousse. Non, la mousse. Pour le corps. Ouais. C'est parfait, on adore. Il y a ça. Putain, c'est énorme ça. Shampoing. Aïeux. Ah. Ma gueule. Alors, shampoing élixir ayurvédique, Alma volume, force volume et racines renforcées. La marque c'est Kadi, on connaît pas du tout. Non, Kadi. Bah écoutez, je voudrais bien que mes racines elles soient renforcées en marron. Renforcées en marron. Non, c'est pas une question de couleur, je crois. Ça sent trop bon. Ouais, ça sent quoi? Ça sent... Bah ça sent donc il y a du Nîmes, du Brahmi. Bah c'est que des fleurs Shikakai. Le Shikakai, j'en mets, tu te souviens, je pense. Tu tes shampoings... Ça sent des souvenirs. Ah, c'est la poudre Shikakai. Ouais, yeah. Olibasil, donc c'est la feuille de basilic, je pense. D'accord. Vurita, je connais pas. Oh,
que des baies, des trucs comme ça. Ouais, il y a plein de. En fait, c'est plein de. De toute façon, c'est plein d'autres. C'est comme mascara, faut que je raconte. Je vais raconter cette petite anecdote. J'ai été chercher mon aîné chez Aromazone. Ok. En boutique à Lille. En boutique à Lille, parce que je n'avais pas les frais de port offerts. Moi, je commande si j'ai les frais de port, merci, je peux augmenter 5 balles alors que je peux aller à pied au bout de la suite. J'arrive, je vois le aîné, 8,20€. Je fais, mais. Je me rends pas compte des prix. Bah, en fait, c'était. Non, c'est toujours toi qui m'as rincé en 6,90€ tout au début, ou 6,50€. Ensuite, c'est passé à 7€ et des brouettes, soit. Et là, 8,20€ ou 50, je ne sais plus. J'arrive à la caisse, je fais, vous le aider, il a aussi pris l'inflation. Je comprends pas. Et puis en fait, elle m'a dit, ah oui, c'est parce qu'en fait, en Inde, il a fait très, 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 très chaud. Et ça, oui, c'est vrai. Donc en fait, les plantes ont brûlé, les terres ont brûlé. Ouais, et donc en fait, avec ce qu'ils ont récupéré, donc voilà. D'accord. Donc je me suis dit, putain. Mais est-ce cher que... la racine marronnasse. Hein. Après, je me dis, est-ce que ça coûte aussi cher de le faire Enfin, je sais pas combien ça coûte une teinture en fait. J'ai jamais acheté un truc L'Oréal au Brésil, avec des produits. Dernier produit à qui est où, je crois que c'est du make-up. Parce que là, on n'a pas eu beaucoup. La poudre, Christophe Dauchin. Bah, il y a eu beaucoup de. Absolution, on connaît. Absolution, on connaît. Ouais. Et donc, c'est une poudre. Avec la petite toupette, vous savez, et puis le capuchon, tu renverses dans le. Trop bien. Voilà, une petite poudre. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de poudre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Kim? Ah, mais c'est t'es contente. Bah, ouais, grave. Tu vérifieras avant ta trousse, mais moi, je pense que c'est parce que c'était photographié comme ça. Et du coup, t'as ton téléphone? Ouais. Bon, bah on a la réponse, les enfants. Il y en avait une qui, effectivement, était colorée de chez Coloré Partout. Et l'autre, voilà, c'est celle que t'as eue. Mais je vais envoyer un mail. Mais tu vas d'abord vérifier si t'as bien cliqué. Non, sur c'est bon. Sûr, c'est sûr. Ah non, c'est sûr. Bah, tu me connais quand même, j'aurais pas choisi la. Et en fait, la deuxième, elle a ce motif-là partout et la pochette est en jaune. Mais ils vont jamais me la renvoyer. Hein. Non, de toute façon, si t'as une réponse déjà avant septembre, ce serait une bonne nouvelle. Bon, bah, on a le fin mot de l'histoire à Kilou. Bah ouais, c'est tout, c'est la vie. Bah, c'est pas grave. Oui, c'est juste, elle est jolie quand même. Et puis voilà, j'ai la petite pochette colorée. Bon, bah, tu vas pouvoir partir. Sinon, il y a des bons plans. Non, bah vous savez les magazines d'été avec les. Ouais. Oui, je veux dire pardon pour l'enthousiasme. Ouais. Bah j'ai un petit sac Claudie Pierlot. Ah ouais. Dans le Biba. Ok. 5 balles le tout. Mm-hmm. Pas cher. Tu sais que l'année dernière ils avaient fait des t-shirts canon. Isabelle Marant. Ouais. C'est ça. Et puis là il y a un truc et j'ai réussi à l'avoir. En fait j'ai vu. Mais je suis sûre que vous êtes au courant, hein. Vogue a sorti son magazine avec Ami Paris. Oui. Et ce qui paraît le drame, personne n'arrive à le trouver, les gens le vendent sur Vinted. En fait, t'as un sac Ami Paris tout rouge avec juste le. Ah, tu sais, c'est un jeu de cartes, hein, ouais, et le bandana, en fait, tous les logos, c'est Ami Paris. Vendredi, je vais aller à la pharmacie, puis je me dis, je vais rentrer dans le tabac en face. Et qu'est-ce que je vois? Bah, il était là. Mais je fais bon. Alors qu'à Lille, c'est genre tout le monde disait ouais, rupture et tout ça. Et je dis bah, franchement. Mais grave, mais après, ça. Joe la conso, en fait, j'allais pas voir. Joe la conso. Non, mais c'était pas prévu. Mais oui. J'aime tellement les sacs, donc, les sacs comme ça. Oui, qui vous a bien le droit de te faire plaisir. Bah oui, voilà. Donc, ça te justifie. Non. Mais voilà, donc il y a des bons plans, petits magazines. En plus, si vous aimez lire des petits magazines. Bien sûr, sur la plage, sur pas la plage. Mmh. Ah, je suis plus sudoku pour le coup. Oui, toi, c'est vrai que t'es plus sudoku. Beau fléché, en fait, j'aime bien. Ouais, alors que moi, mon fléché, tout ça. Non, mais je comprends que ça puisse pas faire vibrer, hein, ça c'est sûr. Ouais, non, on va avoir 75 piges. Mais par contre, là, je voulais m'acheter les. Parce que je pense que vous avez regardé. Parce que toi, c'est pas la peine, je sais pas regarder. Elle me pose même pas la question. Non. Dakota Johnson, elle s'appelle la meuf de 50 millions de degrés. Dakota machin, là, la fille de. Pas Mélanie Griffin, Meg Ryan. Ah, je sais pas qui tu sais pas. Oh là là, je. Les bon, liens de. Dakota machin, nana, qui a joué dans 50 nuances degrés, qui a joué dans un film là qui s'appelle Persuasion sur Netflix, de Jane Austen. Ok. Et donc, j'ai tellement kiffé, si ça se passe un peu genre comme les Bridgerton quoi. D'accord. De toute façon, je suis sûre qu'elle a regardé. Et donc, je l'ai regardé, j'ai kiffé, et j'ai regardé après s'il y avait d'autres films de Jane Austen, donc il y a bien Orgueil et Préjugés, qui n'est pas sur Netflix, j'arrive pas à trouver, donc il va falloir que je le trouve. Et j'ai regardé Emma avec la nana qui jouait le jeu de la dame. Oui. Et donc c'est elle qui joue Emma et c'est aussi Jane Austen. Donc je pense que cet été,
Maintenant que j'ai regardé deux films, je vais lire les livres de Jane Austen. Bien sûr que les gens ne font pas tous des mauvais clichés, ils lisent aussi. Voilà, on s'en la joue. Comme j'ai bien kiffé, je me suis dit, au lieu de lire les Bridgerton et tout ça, on va peut-être lire les Jane Austen qui est l'ancienne. Surtout Orgueil et Préjugés. Et Préjugés. Non, pour les enfants. Est-ce qu'on se quitte là-dessus? On se dit bonnes vacances? Bah oui, bonnes vacances. À ceux qui sont revenus, les juilletistes. Ah, tu m'as déjà fait le coup le mois dernier. On se retrouve avec plaisir de retour toutes les deux début septembre. Toutes bronzées. Toutes bronzées. Bah moi, j'aurais peut-être. J'ai pas le produit prolongateur. En tout cas, on se retrouvera en pleine forme toutes les deux, reposées et puis avec plein de choses à raconter. Mais grave. Un de ces quatre, les enfants, prenez bien soin de vous. Et puis, bonne journée. Et puis, bonne nuit. Un de ces quatre. Ciao, ciao. Ciao.